Ensuite, la limitation générale panneau solaire, il arrive ici, le pôle positif, le pôle négatif, et le câble de terre en vert jaune qui va sur le répartiteur de terre du tableau de protection. Le pôle positif et le pôle négatif de l'alimentation des panneaux solaires, ils vont sur des fusibles 30 ampères qui vont être pontés sur le parafoudre et pontés avec un disjoncteur DC de 40 ampères qui vont repartir. Vers le contrôleur de charge. Donc l'entrée panneau solaire, le pôle positif, le pôle négatif, et après du contrôleur de charge, de la sortie batterie pôle